Alors, bienvenue de nouveau sur notre chaîne. Cette fois, nous allons faire une démonstration sur comment alors diffuser une réunion sur Zoom ou bien à partir de Zoom sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, Facebook ou bien Workplace. D'entrée, signalons qu'il faut un profil pro et non un profil basic. Et il faut un certain nombre d'éléments. Et ces éléments, il faut à partir, quand on va se connecter avec un accès administrateur, il suffit de partir de gestion de compte à paramètres. De paramètres, maintenant, on va pouvoir autoriser la rediffusion et le travail est terminé. Étant donné que nous avons alors souscrit à l'abonnement pro ou bien avec notre profil pro, nous allons nous connecter au service. Mot de passe renseigné avec l'email, nous voilà connectés. Nous n'allons pas parcourir les autres détails, mais nous irons droit au but en allant de profil réunion, maintenant gestion de compte. De gestion de compte, on ira alors paramètres du compte. Et ce que nous cherchons, c'est quelque part rediffusion. Nous irons alors permettre la rediffusion. On va juste l'activer. Une fois que c'est activé, alors si on veut, alors on a un service de rediffusion particulier, alors il faut cocher s'il faut donner les instructions nécessaires, dans lequel nous allons nous contenter de ce que Facebook ou YouTube. Donc la démonstration pour Facebook, c'est au plus ou moins la même chose pour YouTube. Donc allons-y. Maintenant que la rediffusion est permise, nous allons alors ouvrir l'application Zoom et démarrer une réunion avec vidéo. Bon, nous voilà alors en réunion. Et ce que nous allons pouvoir faire par la suite, c'est peut-être venir ici. Et nous allons venir ici juste un instant, chercher alors les touches à partir donc de ceci. Nous irons alors dans plus pour sélectionner l'outil que nous voulons. Étant alors assuré que c'est activé, nous irons alors ici et cliquer sur en direct sur Facebook. Et on my timeline, je peux dire oui. Bon, si c'est l'audience est sur mon profil ou bien si je vais sur une page. Dans ce cas, je vais peut-être choisir une page. Comme ça, peut-être les gens qui peut-être ne sont pas en train de suivre par là ne sauront pas. Et je fais suivant. C'est la même chose pour aller sur le profil personnel d'ailleurs. Bon, il me faut mettre un titre. Bien évidemment, et bon, donner indexer ce que je veux faire, choisir des groupes. Je peux aller à ici, puisque je gère plusieurs autres pages, et je peux aussi faire des sélections ici pour mettre d'autres choses que je veux. Mais dans le cas précis, tout ce qu'il me reste à faire, c'est alors de cliquer sur Go Live, et puis ce sera parti. Dans le cas que nous avons, Zoom est quelque part réduit, mais il suffit que je dise Go Live et puis cela va être lancé. Donc, je suppose que ceci est renseigné, ceci est renseigné. Bon, si on veut ajouter d'autres choses, si on veut sélectionner les groupes, les pages, tout ça, on le fait. Mais pour le cas, comme nous sommes dans une démonstration, on ira alors droit au but. Bon, pendant ce temps, on attend que l'application Zoom communique avec Facebook Live. Et donc, ça va partir aussitôt que c'est arrivé et ça prendra le temps de, comme on le dit souvent, populate. Donc, sur cette page, c'est notre live qui est là et nous pouvons alors partager ça avec les abonnés et bon, en faire tout ce qu'on voudra.
Donc ça, c'est une démonstration. Si des gens sont en train de nous suivre, ce n'est pas fait pour dire quelque chose de spécifique, mais nous sommes en train de faire une démonstration pour ceux qui veulent utiliser alors Zoom ou bien l'application Zoom pour des réunions. Et si on revenait alors à notre réunion, nous voilà encore ici parce qu'on ne veut pas dupliquer la vidéo que nous sommes en train d'enregistrer, mais au même moment, notre interface Zoom est là. Si nous voulons retourner encore sur Facebook Live, on peut le faire en retournant, en résumant ceci ou bien en le remettant quelque part là et réduire ceci aussi. Et bon, on retournera alors sur Facebook pendant cette démonstration. Voilà. Et si on veut alors inviter des gens, on pourra alors inviter, faire les commentaires, alors faire tout ce qu'on voudra. Et voilà. Je vais mettre juste un commentaire. Ceci est juste une démonstration. Et voilà, le travail est terminé. Une fois que notre live est terminé, nous allons simplement l'arrêter et le travail est donc fini. Ce n'est pas si compliqué, mais rappelons-nous qu'il faut avoir la version, il faut avoir la version pro avant de pouvoir procéder alors à la retransmission en direct d'une réunion sur de Zoom vers alors Facebook, YouTube ou bien WordPress. Ceci dit, nous allons arrêter notre démonstration à ce niveau et nous allons donc clôturer. Nous nous préparions alors à arrêter alors la diffusion puisque c'est Zoom qui part vers Facebook. Il nous faut alors arrêter cette diffusion et donc ça va s'arrêter aussi au niveau de Facebook. Donc cliquons sur fin. Et donc c'est parti.